Bonjour à tous, mon groupe a créé un corpus littéraire qui s'intitule La vie sentimentale des femmes rebelles dans des œuvres chinoises et iraniennes. Il est basé sur le corpus de l'année dernière qui s'appelle Les voix féminines chez Shansa. Dans notre présentation, nous suivrons le plan suivant. D'abord, je vais vous présenter les œuvres que nous avons choisies et la thématique de notre corpus. Dans notre corpus, la sélection des œuvres se compose de deux genres littéraires, deux romans et une bande dessinée autobiographique. Ces deux romans sont écrits par Shansa, une écrivaine d'origine chinoise qui a connu un grand succès dans le domaine littéraire. Son roman La joueuse de go décrit la relation spéciale entre une jeune fille chinoise et un soldat japonais dans le contexte de la guerre sino-japonaise. Par ailleurs, le roman Impératrice décrit la vie extraordinaire de Wu Zetian, qui est la seule empereur féminin à l'époque ancienne de Chine. Et lors de la sélection des extraits, nous sommes concentrés sur sa vie émotionnelle plutôt que sur ses tactiques politiques. Les autres vous choisissent sont le troisième et le quatrième volume de la bande dessinée Persepolis, écrite par Marjane Satrapi, une écrivaine franco-iranienne. Dans ses ouvrages, elle décrit ses expériences éducatives en Europe et ses différentes rencontres amoureuses. En plus, dans les quatre livres, toutes les héroïnes montrent un caractère rebelle et tous les récits sont racontés à la première personne et nous inspirent à l'analyse de la vie sentimentale de l'héroïne. Mais notre corpus ne se limite pas seulement à ce point. Il est également le reflet des aspects sociaux du point de vue des femmes, tels que la lutte contre une société traditionnaliste, la notion de l'amour et du mariage, et le désir d'un changement social. Nous passons à la méthodologie où nous allons détailler les différentes étapes de la constitution de corpus, comme la convention de transcription, la convention de codage, la sélection des extraits et les difficultés rencontrées. D'abord, dans la convention de transcription, nous avons regroupé différents signes typographiques. Par exemple, le tilde délimite les pages, les parenthèses encadrent la narration, les accolades délimitent les vignettes et l'arrobase permet d'étiqueter des segments en langue étrangère. Pour ce qui est du codage, celui-ci se compose du numéro de l'extrait au sein du corpus, des initiales de l'œuvre et celles de l'auteur, du numéro de page et du numéro de chapitre au sein du roman original. Cependant, la bande dessinée Persepolis n'est pas paginée et les chapitres ne sont pas numérotés. Donc nous avons identifié les extraits par les titres des chapitres. Puis dans les métadonnées, nous avons documenté des informations sur la charte graphique et la mise en page de la BD, comme la couleur des vignettes et la taille de la police. Nous avons également créé des tableaux récapitulatifs qui ont le résumé du passage et les noms des personnages principaux. En ce qui concerne la sélection des extraits, nous les avons choisis en gardant en tête la thématique du corpus, à savoir la vie sentimentale des femmes rebelles. Pour ce qui est de la transcription, nous avons transcrit manuellement les extraits. Enfin, les difficultés que nous avons rencontrées étaient surtout liées à la documentation des informations graphiques et à la transcription de la bande dessinée. Pour y remédier, nous avons créé des métadonnées et construit une convention de transcription. Dans cette partie, nous allons faire un tour virtuel créé par notre groupe autour de la problématique « Comment rendre un tour virtuel facile à suivre ?». Pour ce faire, nous avons profité de la rotation automatique de Tinkling lors du lancement dans le sens des aiguilles du montre pour mettre en place trois éléments suivants. 1. En se basant sur notre corpus et en fonction d'auteurs choisis, nous avons défini trois zones liées aux ouvrages choisis. La zone 1 est dédiée aux documents généraux liés au corpus. La zone 2 regroupe les documents liés à Marjane Satrapi. La zone 3 rassemble les documents liés à Shansa. 2. Pour orienter le tour virtuel et afin de guider les visiteurs dans la bonne direction vers les zones définies, nous avons utilisé des flèches avec un petit mot sur chacune. 3. Dans ce tour virtuel, nous avons utilisé un code couleur précis pour différents types de documents. Par exemple, pour les productions faites par notre groupe sur Geniali, Canva, Philipbook, nous avons choisi les icônes de couleur jaune. Pour les documents authentiques provenant de YouTube, France Culture, nous avons choisi des icônes de couleur rouge et blanc.
Pour les images 360 d'autres lieux littéraires, nous avons choisi la couleur verte. Et pour les icônes qui montrent la direction, les aspects juridiques, comme la licence créative commune, la propriété des photos et les localisations du lieu, nous avons choisi la couleur noir et blanc. Sur chaque photo 360, nous avons mis la propriété de la photo, les explications de choix de lieu littéraire et le lien vers la photo originale pour éviter de surcharger Thinklink. Enfin, nous avons créé un document de référence qui rassemble les liens de tous les documents authentiques qui sont hébergés dans notre monde virtuel. Nous vous remercions pour votre attention. Grâce à ce projet, nous espérons pouvoir découvrir le potentiel des corpus au service de l'enseignement-apprentissage des langues. Et pour terminer, nous vous laissons avec une citation de Shamsa. La passion n'est qu'une chimère créée par des écrivains. Pourquoi rêverais-je de liberté si elle n'est pas le chemin de l'amour ?